qui s'est enrichi grâce à des fonds destinés au logement des Autochtones. Et je vais vous laisser apprécier ce soir vraiment l'enquête très patiente et méticuleuse de mon collègue Jean-Marc Belzile qui signe cette enquête. Mais essentiellement, Gilles Bérubé gère des millions qui viennent des deux paliers de gouvernement pour aider des Autochtones qui vivent hors réserve à se loger décemment. Et si vous avez prêté l'oreille au reportage sur cette question-là, vous savez que les besoins sont criants pour le logement autochtone. Donc, l'enquête de Jean-Marc démontre que, bien qu'il s'en défende, Bérubé se sert de l'organisme sans but lucratif, notamment pour prêter à ses propres entreprises privées dans un but évidemment très lucratif. Mais en plus, Gilles Bérubé se dit autochtone, dit métis, et il utilise son statut de PDG de la corporation Westhagen, c'est le nom de l'OBNL qu'il dirige, pour agir et pour parler au nom des Autochtones du Québec. Notamment, il a même participé à des missions économiques en Haïti et en Chine, et il présente son organisme comme un fleuron de l'entrepreneuriat autochtone. OK, là, je vous vois venir. Le problème, c'est qu'il n'est pas plus autochtone que vous et moi. Ben, à moins vous êtes, que vous soyez autochtone arménien ou en tout cas. Non, je ne prétendrai pas autochtone exactement. Ce matin. Non, exactement. Donc, Gilles Bérubé, oui, il prétend que sa mère est née à Pointe-Bleue, aujourd'hui Mastoyache, qui est une communauté innue du Lac-Saint-Jean. Mais mes collègues ont fait appel à Éric Pouliot-Tisdale, un spécialiste de la recherche dans les documents d'archives. Il a retrouvé le véritable certificat de naissance de la mère de Gilles Bérubé. Et elle n'est pas née à Pointe-Bleue, l'ancien nom de Mastoyache, mais à Robertval. Et il a remonté sa lignée jusqu'en 1600. Et il est formel en vertu de toutes les archives publiques. Gilles Bérubé n'a aucun autochtone dans sa lignée, aucun, ni maternel, ni paternel. Donc, jusqu'à 1600, quel travail quand même. Et donc, en plus de s'enrichir grâce à la corporation Westhagen, Gilles Bérubé aurait donc trompé tout le monde sur ses origines pendant plus de 38 ans. Bon, on le disait, un type d'enquête qui se multiplie ou qui prend de l'expansion, ça fait plusieurs cas là, qui ont été mis à jour par des journalistes d'enquête, justement. Oui, on pense au travail d'Isabelle Haché à la presse qui a démasqué plusieurs métis autoproclamés, à ma collègue Anne Panassa, qui a mis au jour cette histoire de faux chaman, là, dont Marcel Grondin, vous vous souvenez qu'il avait enregistré la vidéo où il disait « Amianap » et prétendait que c'était « merci en inou » alors que c'est un mot qui ne va absolument rien dire. C'est d'ailleurs devenu un genre de petite blague interne dans certaines communautés. « Amianap », ça veut dire « quelqu'un qui se prétend faussement autochtone ». Et puis, Amianat, ouais, voilà. C'est une bonne respiration. Et il y a eu le cas de cette chargée de cours à l'UQAM, Alexandra Lorange, qui avait même obtenu une bourse réservée aux étudiants des Premières Nations ou Inuit. Et c'est d'ailleurs Éric Pouliot-Tisdale qui avait fait son arbre généalogique à elle, ainsi que celui de Marie-Josée Parent, qui avait été présentée comme la première élue autochtone qui se disait Mi'kmaq. Donc, selon ses recherches, son ancêtre autochtone a peut-être vécu il y a plus de 300 ans. J'ai donc passé un coup de fil à M. Pouliot-Tisdale pour savoir à quel point la généalogie peut s'avérer un outil fiable pour conclure si une personne peut se réclamer ou non d'être métisse ou autochtone. D'abord, un ou deux concepts, Patrick. Si une personne dit métisse au Québec, c'est vraiment pas la même chose que d'être métisse, avec un M majuscule, du Manitoba et de l'Alberta. Pour faire simple, les descendants de Louis Riel, c'est pas les métisses autoproclamés du Québec, c'est pas la même chose. Puis au Québec, ceux qui se disent métis n'ont pas le droit à une reconnaissance particulière gouvernementale. En revanche, il y a plusieurs associations qui disent les représenter et plusieurs émettent même des cartes de métis qui n'ont pas de valeur légale, par exemple, pour obtenir une exemption de taxes. Et quand est-ce qu'on peut dire qu'on est autochtone? Bon, mais selon toutes les sources que j'ai consultées, pour faire simple, parce qu'il y a des petites exceptions, mais on peut dire que c'est la règle de trois, qui s'applique, trois générations. Donc, si une personne autochtone, ses enfants vont avoir le statut, ses petits-enfants vont avoir le statut, mais ça s'arrête là s'il n'y a pas d'autres membres de la famille qui se greffent, qui sont de descendance autochtone. Donc, à moins, il y a une exception aussi, à moins qu'un conseil de bande décide d'inscrire quelqu'un, et ça, c'est à la discrétion de chacun d'entre eux, avec d'importantes différences dans les critères appliqués, me dit M. Pouliot-Tisdale. Attends, je veux juste être sûr d'avoir bien compris. Si vous avez un ancêtre autochtone, un seul, ça s'efface au bout de trois générations. Exactement. Okay. Exactement. Donc, selon le recherchiste, la science de la généalogie est assez exacte au Québec. Merci aux curés qui ont quand même conservé des archives fiables, parce que même au début de la colonie, tout le monde participait au recensement. Pourquoi les naissances, les mariages, les décès étaient très bien documentés par les paroisses, notamment parce que les Autochtones voulaient conserver les avantages négociés en vertu des traités.
Donc, l'immense majorité de ceux qui étaient autochtones... Ils avaient besoin dans le système. Ils se déclaraient autochtones. Donc, on a des archives historiques assez fiables pour établir avec certitude à quand remonte l'ancêtre autochtone. Bon, là, il y a quand même... Je me fais l'avocat du diable. Il y a quand même l'élément du sentiment identitaire. Ouais. Est-ce qu'on doit tenir compte de ce sentiment-là si quelqu'un, pour des raisons personnelles, historique, se sent autochtone? Oui, il y a peut-être des gens qui se posent la question de quel droit les journalistes vont fouiller dans le passé, remonter dans la lignée de quelqu'un pour décréter que cette personne-là est autochtone ou pas. C'est une bonne question. Qui trace la ligne? Bien sûr, il y a des gens qui se sentent autochtones, qui connaissent parfois la culture, parfois la langue, qui ont épousé les valeurs d'une nation autochtone, mais là où les journalistes enquêtent jouent un rôle d'intérêt public, c'est de dénoncer ceux qui prétendent être autochtones et qui en tirent un avantage. C'est là toute la distinction, ça devient drôlement pertinent ces temps-ci, alors que plusieurs institutions, entreprises privées ou publiques se sont engagées sur la voie d'une plus grande inclusion, réservent des postes aux Autochtones, ou par exemple, dans certaines universités, il y a des bourses, des contingents autochtones. Puis ce sont des mesures qui sont mises en place pour favoriser l'inclusion, pour favoriser l'égalité des chances, et en reconnaissance des torts historiques qu'on leur a fait subir et des conséquences encore bien réelles aujourd'hui. Donc, ça va être un sujet qui va demeurer chaud parce que je pense qu'on n'est pas au bout de ces enquêtes qui vont démasquer des gens qui se prétendent autochtones et qui en tirent un certain bénéfice ou qui sont des personnalités publiques. Mmh, mmh. Et ça va devenir un sujet chaud, selon des sources que j'ai consultées, au sein même des communautés. Parce qu'au sein même des communautés, il y a une perception que certains autochtones le sont un petit peu moins que d'autres. C'est-à-dire que certains n'ont pas eu la même enfance, la même vie que ceux qui ont grandi, par exemple, dans les communautés. Donc, ça va devenir un enjeu majeur pour certaines communautés et de déterminer... Un enjeu identitaire. Un enjeu identitaire. On verra l'expression appropriation identitaire là, faire son usurpation chemin. Usurpation d'identité. Usurpation oui, d'identité. Ça existe déjà comme terme. Mais en attendant, ce soir, à ne pas manquer cette enquête sur la corporation Waskagan, un excellent travail de notre collègue Jean-Marc Belzile, suivi une enquête sur les psychostimulants, Patrick, ça va vous intéresser, se droguer pour performer.